Salut les potos et bienvenue sous le soleil de Benidorm où on a enregistré ce GCN Show spécial, forcément depuis le lieu de la dernière Coupe du Monde de cyclocross de la saison qui nous a offert un spectacle magnifique, mon lot. Ouais, c'était beau à voir et pour une fois, c'est du cyclocross sur terre sèche, ça c'est cool. On a eu droit à du sable, on serait presque cru au Dakar et aujourd'hui on a décidé évidemment de répondre au grand débat qui est le plus fort entre Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Allez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume les amis, on va commencer par les résultats vu qu'on est sur une course mon pote au flow. Du coup, chez les femmes, qui c'est qui a remporté cette dernière manche de cyclocross à Benidorm? On a eu droit à une très belle bataille à 3 pendant une grande partie de la course et au final c'est Femme Van Empel qui s'impose et qui remporte par la même la Coupe du Monde de cyclocross devant, et oui, sa plus grande rivale de la saison tout du moins, Puuk Peeters, et une troisième néerlandaise forcément qui complète le podium. Il s'agit de Sherin Van Androy. Chez les hommes, mon lolo. Chez les hommes, c'est Mathieu Van Der Poel qui l'emporte devant Wout Van Aert et on a Elise Izerbeet qui vient compléter ce podium. Ça a été une course avec beaucoup de rebondissements quand même. On a vu un Tom Pidcock un peu en galère, non? Oui et non, on l'a vu partir très fort, c'est pas dans ses habitudes, mais il lui en a manqué un petit peu. En même temps, c'était sa dernière course de la saison en cyclocross, donc on peut imaginer qu'il a déjà autre chose en tête. En tout cas, mon lolo, je voudrais pas que tu crois, parce que Van Der Poel a gagné, que ça va résoudre notre débat du jour, j'ai envie de te dire, à chaque fois qu'on l'attend pas, il est là quand même. Là, on pensait que Van Aert s'était fait, il allait gagner tout jusqu'à la fin de la saison. Et Van Der Poel, on l'entend derrière nous, il est toujours là où on l'attend pas. Ouais, ok, il est toujours là où on l'attend pas, mais il est pas méga régulier ces dernières années, tu vois. Alors qu'un Wout Van Aert, il fait que monter en pression. Je suis désolé, quand il a gagné qu'un seul monument, ok, qu'un seul. Et c'est que le petit Milan Sanremo. Derrière, 9 victoires sur le Tour de France, tu vois. Mathieu Van Der Poel, ok, il a gagné 2 fois le Tour des Flandres, mais derrière, il fait quoi? On le voit plus. Ouais, bon, j'ai bien compris quel va être ton camp. En bref, Lolo est plutôt pro Van Aert et je suis plutôt pro Van Der Poel. Pourquoi? Tu l'as dit, déjà, Van Der Poel a gagné le Tour des Flandres. Dans les monuments, il y a une certaine hiérarchie. Gagner le Tour des Flandres, c'est 2 fois en plus de ça. C'est quand même le sommet. Imagine, Van Aert, il est belge. Le seul monument qu'il a gagné, c'est Sanremo. Je veux pas dire, moi qui vis en Italie, Sanremo, évidemment que c'est prestigieux. Mais pour un Belge, il lui manque encore ça à son palmarès, pour moi. C'est vrai que sur la saison 2022, Van Aert a été plus en réussite, on peut le dire clairement. Mais sur l'ensemble de leur carrière jusqu'à maintenant, je pense que Van Der Poel est plus complet, notamment parce qu'il a aussi su s'imposer en VTT, en plus du cyclocross. Ouais, mais tu regardes Wout Van Aert, au final, il se concentre beaucoup sur les grands tours, enfin surtout sur le Tour de France. Et Van Der Poel, sur le Tour de France, il n'y est pas vraiment, hein. Tu vois, il a... Ok, sa première participation, il a répondu présent. L'année dernière, on l'a pas vu, Van Der Poel, Wout Van Aert était surpuissant. Donc, tu vois, pour moi, Wout Van Aert a plus de crédibilité qu'un Van Der Poel. Je trouve un peu trop en dents de scie, Van Der Poel. Oui, encore une fois, tu te bases sur la saison dernière. Je rappelle quand même que Van Der Poel a porté le maillot jaune, mais aussi le maillot rose du Giro, contrairement à Van Aert, qui, comme tu l'as dit, se consacre exclusivement jusqu'à là, au Tour de France. Évidemment, c'est le plus grand des événements sportifs dans notre sport, mais moi, j'aimerais bien le voir ailleurs aussi, et j'en reviens au fait que Van Der Poel me plaît davantage parce qu'il a plus de curiosité. Il va voir ailleurs, il fait du cyclocross, certes, il fait de la route, certes, il fait du VTT aussi, il fait le Tour, oui, mais il fait aussi le Giro, par exemple, et je ne serais pas surpris de le voir découvrir la Vuelta d'ici peu. Ouais, pourquoi pas, mais moi j'en démords pas, c'est quand même Wout Van Aert le meilleur, c'est celui qui a le plus de classe, c'est celui qui a les meilleurs résultats ces derniers temps, donc je suis désolé, Wout Van Aert, c'est toi la machine, Van Der Poel, t'es viré. Oui, j'ai un dernier argument à te donner, même si les championnats du monde de cyclocross approchent et ça pourrait donner l'occasion de mettre les deux à égalité, et oui, Van Der Poel a là aussi un titre de plus que Van Aert jusque là, donc 4 à 3, même dans cette catégorie là, Van Der Poel le devance encore. Ouais, mais c'est juste parce que Wout Van Aert, il a pas envie d'y participer. Oui, non, cette année en tout cas il a très très envie, il a surtout très envie de remettre les pendules à l'heure, mais c'est vrai que lors des dernières saisons, il y a eu des choix qui ont été faits, parfois il a été là, parfois il n'y a pas été, mais il a aussi parfois été largement battu et largement en dessous de sa condition attendue, comme peut-être Van Der Poel a pu l'être depuis l'année dernière, et bien que là il démontre qu'il revient en pleine forme et apparemment son dos lui fait plus mal. Bon, là il revient vraiment en pleine forme, mais tu vois, j'ai analysé un peu le sprint d'aujourd'hui. Et je pense que Wout Van Aert l'a laissé gagner.
Ouais, alors là, mon Lolo, ça m'étonne de toi, ce genre de réflexion. S'il a laissé gagner, il s'est dit, allez, gamin, c'est cadeau, tu reviens enfin. Vu le genre de rivalité, même si, dans le fond, ces deux-là s'apprécient et se respectent, on va dire, mais dans le sport de haut niveau, ce genre de cadeau, ça n'existe pas. Je pense que tu pourras le confirmer malgré ta blague. Ce qui me fait penser que, surtout à 2 semaines des mondiaux, pour ne pas laisser un minimum de confiance en plus à son adversaire, si Van Aert avait pu s'imposer, il l'aurait fait. Oh oui, je pense qu'il l'aurait fait. Mais en tout cas, ils nous ont livré une très belle course aujourd'hui et ça montre que ton petit Van Der Poel, il arrive en très très grande forme pour cette fin de saison de cyclocross. Et moi, j'ai hâte de voir sur la route qu'est-ce que ça va donner. Bon, je vais un petit peu relancer ton débat parce que je mettrai un petit peu un bémol à ce qu'on a vu aujourd'hui. C'était un cyclocross qui était très roulant, un peu particulier. Ça s'est joué aussi beaucoup de stratégie. Par moments, ils se sont regardés. Ils ont laissé Iserbeet ou Lorenz Wick prendre les commandes. Donc, on peut imaginer que lors des mondiaux, en fonction aussi des conditions climatiques, le scénario sera très différent. Le parcours rendra les choses beaucoup plus difficiles et créera une sélection différente. Donc là, peut-être que le meilleur, quoi qu'il en soit, l'emportera. Il y aura un peu moins de stratégie. Ça pourrait répondre à notre débat, mais encore une fois, à un moment donné, qui ne donnera pas la définition du GOAT entre les deux à long terme et à la fin de leur carrière. Selon moi, Van Der Poel reste plus complet parce qu'il a toujours le VTT en plus que Wout Van Aert n'aura pas. Et contrairement à beaucoup, je ne pense pas que Van Aert puisse remporter un grand tour un jour. T'as été sur Pro Cycling Stats ? Oui. Eh bien sur Pro Cycling Stats, ils disent que c'est Wout Van Aert le meilleur, ok ? C'est vrai. C'est vrai, ils disent, je crois, si je me souviens bien, c'est 61% en faveur de Van Aert. Et pourtant, attends, j'ai bossé mon lot, hein. 40 victoires chez les pros chacun. Tu vois, encore là, les chiffres parlent et c'est pourquoi on aime autant cette rivalité, parce qu'ils sont tellement proches au final. Bah ouais, tous les deux, ils ont 28 ans. Après, Wout, il est passé pro un peu plus tôt, il me semble. Donc, il a peut-être un peu plus d'expérience, j'ai envie de dire. Mais au final, ils ont quand même des carrières assez similaires, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que l'expérience, on n'a plus grand-chose à leur apprendre à tous les deux, que ce soit en termes de pilotage ou en termes d'expérience de course à tous les niveaux. C'est vrai que Mathieu a eu un parcours un peu différent de Wout. Il est resté dans son équipe de toujours. Il a grandi avec son équipe. Et ça aussi, pour moi, c'est un argument à mettre en valeur. Tu vois, contrairement à Wout, hein, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui a eu des débuts dans le World Tour un peu compliqués, avec quelques casseroles, avec des contrats qui n'avaient pas été totalement rompus comme il le fallait. Mais tu vois, c'est deux philosophies différentes aussi. Alors là, on parle que de résultats, mais on pourrait aussi parler de l'extra sportif et de pourquoi les gens apprécient plus un tel ou l'autre. Toi, c'est juste parce que c'est le petit-fils de Poupou, alors du coup, on le sait. Hein. Non, pas du tout. Si, tu me l'as dit, ça en off tout à l'heure. Ouais, évidemment, en tant que Français, il y a toujours un peu de chauvinisme, mais on aime aussi beaucoup les Belges, donc j'aime aussi beaucoup Wout, forcément, parce qu'on a une proximité avec eux aussi. Mais voilà, mais moi, j'ai envie de te poser une question, mon Lolo. Et si le meilleur, c'était pas Pidcock au final ? Non, parce que Pidcock, il est trop récent. Je pense qu'il a pas... Justement. Il va être meilleur, je pense. Je pense sincèrement qu'il va leur passer devant, mais ce sera pas cette année, l'année prochaine. Ça sera d'ici 2-3 ans. Là, il va exploser totalement et tu vas voir que sur route, il va faire des saisons de ouf aussi. Moi, j'ai envie de dire un truc, c'est ce... J'ai envie de dire ce gamin, mais c'est plus un gamin depuis longtemps, mais Pidcock. Ça reste un chiot. Ouais. Pidcock, il pourrait mettre tout le monde d'accord. En général, quand il y a des gros événements, il se loupe pas. Il a voulu être champion du monde de cyclocross, il l'a été. Il a remporté les Jeux Olympiques. Il a voulu être aux Jeux Olympiques en VTT, il les a remportés. Il a remporté certainement la plus prestigieuse des étapes du Tour de France l'année dernière pour sa première édition en haut de l'Alpe d'Huez. Donc peut-être que c'est lui qui va nous mettre d'accord au final. Ah, c'est sûr, ça va être lui. Tôt ou tard, tôt ou tard. Bref, comme d'habitude, en commentaire, vous nous dites ce que vous en pensez. C'est un débat qui, forcément, va faire beaucoup parler. Je pense que là, on est un peu sur le schéma disco patin, tu vois, plus ou moins. Ouais, celle-là, c'est à peu près le même. Ouais, c'est du même ressort. Hein. Mais clairement, on a pu le voir de nos yeux aujourd'hui. La rivalité entre ces deux-là, qui est super saine et géniale pour notre sport, c'est beau à voir. Les chiffres parlent. 40 victoires chez les pros. Peut-être cette année, ils vont pouvoir se départager enfin. 3 titres à 4. Peut-être qu'ils vont être à 4 partout dans 2 semaines. Clairement, c'est la plus belle rivalité de notre sport contemporain. On en est très content, mon Lolo. Et toi, tu restes sur Van Aert, du coup ? Moi, je resterai toujours sur Van Aert. Et c'est pas parce qu'il y a Christophe Laporte dans son équipe. Un petit peu quand même. Tu peux. D'accord. Mais pas tout, hein, non plus. Bon, ben moi je reste quand même sur Van Der Poel et vous nous dites, vous nous départagez en commentaire comme d'habitude. Allez, mon Lolo, je te propose de passer quand même à l'actu. Ah ouais, on va passer à l'actu, ça c'est cool.
Du côté de l'actu, mon pote au flow, la saison route est enfin lancée et elle est à retrouver sur GCN+, avec le Grand Prix de la Marseillaise, le Challenge Mallorca, mais aussi San Juan. Donc c'est bon, c'est parti, on va avoir du vélo tous les jours. Oui, si vous voulez continuer à avoir du soleil, je vous conseille de regarder ces trois courses. A priori, en général, elles sont sous un grand soleil. Sinon, vous pouvez continuer à rouler sur Entraîneur en regardant des vidéos de GCN sur YouTube, oui. Vu qu'il neige a priori en France. Non, je sais, on vous fait râler, on arrête tout de suite. En tout cas, si vous voulez réserver vos vacances au soleil, eh bien, je vous rappelle qu'on organise à nouveau cette année en juin, en Autriche, le Global Bike Festival. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site globalbikefestival.com pour passer quelques jours en compagnie des présentateurs de GCN à rouler, partager, échanger. Et puis un petit peu faire la fête aussi. Et se sacocher. Un minimum. L'actu, mon Lolo, c'est aussi ton pote Max. Qu'est-ce qu'il dit dans son challenge 30 minutes par jour pendant 30 jours? Écoute, le pote Max, j'ai pas eu trop le temps de l'avoir au téléphone, mais du peu que je sais, c'est qu'il a mal. Il a mal, il a encore mal à sa vie, mais il progresse, je crois qu'il a encore perdu 2 kilos, tu vois, donc le pote Max ne s'arrête plus, et comme je disais, tu vois, si les kilos, il les perd aussi facilement, c'est vraiment qu'il les avait en trop. Bon, je pense que la courbe va pas tarder à s'inverser, et il va commencer à prendre du muscle, l'artiste. Ouais, mais c'est assez impressionnant de voir le nombre de kilos qu'il perd. Évidemment, on fera une vidéo de conclusion, mais vous allez voir qu'il s'y tient, hein, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire du sport à ce niveau-là, parce que Lolo lui avait quand même salé la note. Il s'y tient bien. Voilà, il faudra voir après derrière, au long terme. En tout cas, on voit qu'il y a des résultats. Vous aussi, si vous suivez ce défi qu'on vous a lancé de faire 30 minutes de sport par jour, vous pouvez, dans vos posts, utiliser le hashtag 30in30. Oui, on l'a mis à l'anglaise, comme ça c'est international, les autres chaînes aussi peuvent l'utiliser. Et sinon, vous pouvez nous rejoindre sur le club GCN sur Zwift, puisqu'on fait des rides de 30 minutes tous les jours avec des présentateurs différents. Bon, vous l'avez compris, cette semaine on n'était pas là, mais on est de retour dès demain pour des rides sur Zwift. Voilà du côté de l'actu Monlo ce qu'on pouvait dire, et je te propose de conclure par le vélo de la semaine, forcément, qu'on a mis raccord avec les températures avec chez nous, pas ici à Benidorm, mais plutôt en France, puisqu'il s'agit d'un magnifique BMC. Qui appartient à JD21 et qui est allé le sortir dans la neige à côté du château de Menton. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est très beau. Bah, respect à lui déjà parce qu'il est parti rouler sous la neige et on sait que c'est vraiment très compliqué d'aller rouler quand il fait très froid comme ça. Et puis, c'est belle présentation. Chaîne. Ah non. Hop, hop. Il a laissé la chaîne, il a croisé. Ah, il a croisé. Ah non, il a qu'un plateau. C'est un monoplateau, je pense. Mais derrière, tu vois, il a laissé la chaîne sur le grand pignon. Bon, il a mis la manivelle en horizontale, c'est bien. Oui, vu les conditions, on lui en voudra pas trop, quand même. Si, on lui en veut, c'est pas bien. Il fallait y penser. T'aurais dû tomber toutes les dents. Bon, en tout cas, il a monté son vélo à 630 mètres d'altitude pour y trouver la neige et on voit qu'elle est en grande quantité. Donc, bravo pour l'effort, bravo pour la présentation. Et à mon avis, on a un sérieux candidat pour le prochain vélo du mois. Mon Lolo, je te propose que, comme tous les autres, on plie boutique et puis on se rapatrie pour continuer à vous ramener tout le contenu qu'on a tourné cette semaine. Et puis surtout, l'envoyer au poteau Yo-Yo et au poteau Daro pour qu'ils se mettent au montage. On va manger. On va manger. Ah. Allez, ciao. Salut.